That's not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Terrible, 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 terrible. Nous avons 69%, c'est bien. Nous avons... aucune... enfin, on a ça, on s'en fout. De la nourriture, nous avons pas de bois. J'ai bien peur. Et ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la nuit, il y a du vent comme pas possible. On va prendre ça. On va passer quelques minutes à faire ça, je crois. Ça va, on a aucune maladie, c'est bien. Ça va, on a perdu la folie là. C'est bien, c'est bien. Alors, ce que je voudrais, c'est que il fasse beau. On va sortir, on va sortir. On va voir si on peut pas récupérer un peu de bois. Par contre, on est encore trop lourd. Non, on rentre. Un truc embêtant, ce que je voudrais bien, moi, c'est... casser des choses dans la maison, mais je voudrais bien casser des choses dans la maison, mais on est limité, c'est en vue, on peut rien faire. Genre par exemple du métal. Ah. Attends, métal. On peut le faire de nuit, ça? Ou alors c'est juste parce que on n'était pas encore la nuit complète? Ah, ok, d'accord. C'est juste parce qu'on n'était pas encore la nuit complète, ça marche. C'est bien ce que je pensais. Je sais pas quoi faire. On a une lampe. Amine, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la lampe. Ravitailler. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on peut faire en fait sans lampe. Serviette. Quand il fait beau, on sortira. On va faire tous les rideaux. Peut-être que... parce que bon, c'est bien de prendre des tissus, c'est toujours bien, mais... c'est juste pour passer le temps, surtout. Yes, c'est bon. Okay. Je pense qu'il fait toujours aussi froid, hein, je pense. Mais au moins, il n'y aura plus le vent. j'ai dit au moins il y aura plus le vent. Ouais.
T'inquiète pas, ça m'embête aussi, Torres. Ça m'embête aussi. On va encore attendre un peu. Ta-ta-ta-ta-la. Frais. 59% fraîche. Un peu là. On a 28 tissus. C'est un peu chiant d'en avoir autant en fait. Ça sert pas à grand chose. C'est pas grave. Au moins on fait quelque chose quoi. 49 minutes pour casser la chaise. J'ai envie de tester le prendre la lampe. Mais c'est qu'on n'a pas grand chose en fait. On n'a pas trop de... La plupart du temps en fait j'économise la lampe au maximum. Mais c'est vrai que là je l'ai... Je l'ai souvent utilisé. Donc du coup bah... On n'a rien de côté quoi. Bon enfin c'est pas grave. Est-ce qu'on peut récupérer ces rideaux? Yes. Pas très très intéressant ce que je fais. Tu peux pas taper dans le... Genre dans le noir? De toute façon tu dois casser genre une table. Tu prends ton marteau, tu tapes. Hein. Pas besoin de vraiment... faire attention à ce que tu fais. Hein. Tu prends, tu pètes tout. Hein. Ça passe. Hein. Je suis sûr que ça passe. T'essayes de pas te... te taper sur les doigts et hop, c'est bon. Nickel. Pas de problème. Parce que là, si on sort en fait avec le froid, le problème c'est que... on va perdre de la vie et je voulais un peu... enfin, me rattraper avec la vie, quoi. Bon, on va y aller, ça sert à rien de rester là. Je crois qu'on va rentrer. Ah, ça m'embête. Ça fait un peu trop froid là, je crois. S'il a eu peur, c'est que l'ours est là-bas. Oh, on est de retour ici. Il est où ce con? Oh putain, il est juste là. Waouh. Ok, c'était pas prévu ça. Oh, intéressant. Intéressant. Ah. Un petit combat. En plus, ça s'est calmé là. On va dormir une heure. I could eat anything. Allez, on y va. Voilà. Ouh, la poêle est bientôt finie. On va aller voir si on peut pas tuer le loup. Sinon, je pense qu'on va rentrer. Yeah. Petit, petit, petit. Moins 20. Petit. Et pas là. Ok. Bon, il faut rester sur nos gardes, il doit pas être très très loin.
Bon, on a plusieurs problèmes là si on rentre pas. C'est que j'ai pas de nourriture de réserve. Oh, il y a un lapin. Putain, je le vois quasiment pas. Merde, je l'ai loupé. Pas grave. Bon, on va rentrer. Oh, je déteste ce temps-là. Alors, on va rentrer. Pourquoi? Parce que... Alors, j'ai mal joué. Alors, on n'a pas de nourriture de réserve. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment se aller loin et dormir autre part. Parce que, voilà, on n'a pas à bouffer. Je comptais, en fait, sur le fait qu'on récupère des poissons. Mais des gros poissons. Pas des poissons à 200, 180, 190 de calories, quoi. Genre du 700, du 600. Oui, là c'est bon. Là, genre, on aurait pu rester une nuit, deux nuits sur les côtes, enfin sur la maison là du philanthrope, je sais pas trop quoi. Sur notre maison d'été, mais du coup, on peut pas. Car on a eu que des poissons à la con. Donc on rentre. Et je pense qu'on va faire ce que c'est que... Et minuit, on va essayer de dormir le plus possible. Se réveiller en pleine journée, genre au début. Et ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, c'est... crafter. On va continuer à créer notre... c'est quoi, nos bottes. Et ça devrait bien se passer. On va continuer nos bottes. Et après, on va voir si on est fatigué ou pas. Et pendant la nuit, enfin, on va voir aussi si le temps est bon. Hein. On va continuer à chasser soit des loups, soit des cerfs. Je voudrais vraiment chasser un cerf, personnellement. Je voudrais bien récupérer de la peau de cerf. À la limite... Ah, tiens, on est là. C'est bon. À la limite, je dirais... Oh merde. Il doit être là. Ok, attends, on est bon. Oh la vache. Oh, il est là, l'élan. Ok. Reste cool. Ok. Oh la vache. Oh la vache. On est bon. Non, il n'y a pas eu de lacération. Merde, on a eu encore le... On a eu encore le bug, mais chier. 63, 71, 68, 99. Putain, on a eu le bug, on a perdu de la vie parce qu'il nous a touché. Mais on n'a pas eu vraiment la lacération en fait, c'est pas grave. Enfin, je le prends, c'est pas grave, je le prends. Bref. Je voudrais... Tiens, ça à jeter. Je voudrais, comme j'ai dit, récupérer... les... des pots en plus. On a 3 hameçons, on a 2 fils, c'est bien, c'est bon. On va laisser sécher les trucs. Il nous faut aussi des loups en plus. Hein. Il nous manque une peau, je crois. On a 2 peaux de loup.
Elles sont déjà à 50% en fait. Faudrait. Ah ouais, il en faut 4 encore. Il faudrait tuer encore 2 loups. Putain, ça va être chaud quand même. Après, il y a l'élan. On pourrait attaquer l'élan. Putain, mais je sais pas si c'est. Je sais même pas si c'est possible. Parce que je voudrais bien faire ça, moi, la sacoche. Ce serait cool. Mais je sais pas du tout si c'est possible qu'on le tue avec des flèches. Possible ou pas? J'ai envie de tester. J'ai envie de tester, moi. Après, est-ce que ça va passer? J'en sais rien. Si j'avais une vingtaine de flèches, oui. Je le ferais direct. Il n'y a aucun problème, je le fais direct. Mais là, c'est que 6 flèches. Donc il va falloir le faire crever à petit feu, en fait. Mais bon. Mais bon, comme j'ai dit... on a pas mal d'endroits pour se cacher. Donc du coup, ça rend les choses faciles. On est à 29. Pourquoi on est toujours aussi lourd? On a ça à faire, oui. C'est vrai qu'il faut les créer. Bon, ça c'est bon, on va les faire. Je vois pas trop pourquoi on est aussi lourd, en fait. Des pierres, on en a 15. Ouais, quand même. Bah voilà. Ouais, non, c'est bon. Là, c'est déjà mieux, déjà mieux. Allez, on va prendre de la nourriture. On va prendre de la nourriture de carnivore. M'embête le chien qui m'attaque. En plus, je pouvais pas passer la rambarde parce que je voulais me mettre dans la voiture, moi. Mais j'ai pas pu passer cette rambarde à la con et du coup, bah merde. On prend ça. Il y a quoi? Ah oui. Ouais, vu qu'on va pas dormir, il est. C'est quoi l'heure? Quoique. Non, si, si, on va dormir. Si, si. On va dormir pendant un long moment. Parce que là. Ouh, on est où? On est là. Il reste au moins 10, 5, 7, 7 heures, 7 heures, je dirais. On va boire. Et manger. Et voilà. Ah oui, infecte-moi. 9, 10 heures. Eh, 10 heures. Ok. Vous entendez ça? C'est le son de la guerre. Nous partons en guerre contre l'élan. Ah, merde. Il fait pas jour. Merde. Alors, déjà, on va jeter ça. On fera les bottes plus tard. On fera les bottes plus tard. Ok. Ça, c'est bon. Il nous faudrait un appât pour les loups. Si jamais il y a des loups... Non, ok. On va prendre la viande. Ah, ça fait chier. Je suis pas super content encore hein, que le loup m'ait touché pendant qu'on passait la porte. Hein. Ça, on va prendre ça. On va en manger une partie. Ah, très bien. Alors, le but du jeu... Oh, il est là. Ça va être de le bloquer, en fait. En fait, je voudrais le bloquer avec les rambardes là-bas. Je crois entendre un ours. Un loup. Ok, 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 ok. Oh, il est parti. Il court. Oh, yes, yes, yes. Ok, pendant qu'il a peur, c'est comme les loups et les ours, c'est pareil, on peut avancer. Ok, parfait. Il est où? Il est où?
Merde. Ah, il est là. Ah, il revient. Ok, ça marche. Ça marche. Ok, bon. On a trop froid. Ah, faut qu'on passe du temps. Ok, dis-moi que tu peux casser la table. Yes. Yes. Ok, parfait. Bon, comme j'ai dit, le but du jeu, là, ça va être le bloquer avec les rambardes, parce qu'il est très gros. Un ours, un loup passe, mais lui, je suspecte qu'il ne va pas passer. Et du coup, on va peut-être pouvoir lui tirer dessus avec l'arc, lui décocher des flèches facilement. Bon, par contre, il fait un peu froid. Ok. Il y a du bois un peu partout, ça c'est bien. Oh putain, c'est un élan avec un camouflage optique. Il est où ce con? Oh merde. Putain, mais c'est quoi cet élan qui apparaît et disparaît comme ça? C'est un mirage le truc? Non, il est pas de ce côté. Il est pas de ce côté. Il doit être là-bas, mais... Est-ce que... Oh, ça m'embête. Là, j'étais... Là, j'étais chaud, là. Là, j'étais bien remonté. Alors, faut faire attention de pas se faire prendre à revers, parce que sinon, on est mort. Il y a quoi, là-bas? Des oiseaux? J'ai entendu du bruit. Ah oh merde. Ah, fait chier. Ok. Bon, toi d'abord. Ça c'est fait. Elle est où ma flèche? Merci. Ok. Hey. Deuxième chaise. Ok, très bien. C'est reparti. C'est reparti. Je crois qu'il me fait peur ce con de loup là. Là-bas, loup. C'est très très étrange hein, comment il se déplace l'élan. Enfin en fait il se déplace pas. Qui arrive, c'est qu'il apparaît à des endroits en fait, je crois. Ah, pas chier. Oh, j'ai vraiment pas le temps. Ok. Ok. Voilà. Flèche brisée, super. Ok, deux loups. Ok. Troisième chaise. Au final, il ne va plus rester grand monde à tuer. Hein. En tout cas, pour les loups, c'est bien parce qu'on va pouvoir créer notre manteau. Ok. Les deux sont côte à côte, c'est parfait. Quand on fera du feu, on n'aura pas besoin de bouger. On va prendre ça.
ça. Ok, ok, cool, cool. Très bien. Ok, on est reparti. La chasse à l'élan. Ok, moins 10. Ok, moins 10, ça va. Ça bouge pas de ce côté. Bouge pas. Très très bizarre, hein, la façon dont il bouge. C'est pas ça là-bas? Ah non. On va aller découper du loup. Attends, 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 40. Ok. Donc ça nous fait déjà une peau. Je me demande si je peux dropper de ce gear. Ok, très bien. Ça nous fait déjà une peau ici. On jette. Ça c'est bien, on a ça, 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 c'est très bien. Trois... non. Deux heures et demie... Pas encore une petite chaise. Un petit meuble. Ah ah. Voilà. Pas trop non plus, enfin, parce que je veux pas... passer mon temps non plus. Alors par contre on va déposer un peu de bois parce que là ouais là c'est tout jeté, hop. Voilà, 26, très bien. Ok, on va voir si on peut pas récupérer l'autre pot maintenant. Ça serait bien. Merde. D'abord. Moins 6. Oh c'est parfait, moins 6. Hop. Ah oui, par contre il faut des outils là. Parce que le truc il est gelé. Très bien. Boyau. 27 minutes. Je sais, t'es fatigué. Y'a pas ce con d'élan, hein. Si. Non. Non, 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 non. Ok. On va se réchauffer. On jette, très bien. Ce que je voudrais maintenant récupérer. 49 minutes. Putain, du coup, il va plus rien rester ici, en fait. Ce que je voudrais récupérer, c'est les boyaux en premier. À la limite, la viande, j'en ai pas vraiment grand chose à faire. Putain, on est bien placé en plus, ça tue. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, moins 9. Non, on a dit boyaux. Hop. 27 minutes, très bien. On va prendre les boyaux de l'autre directement aussi. Très bien, tac tac. Il va faire un peu froid, je sais. Ok, très bien. J'entends du bruit.
Il est là. God damn, crazy. Non. Ok, je suis en train de rêver apparemment. Tac, tac, tac. Ou alors je... C'est quoi, c'est bientôt la nuit. Okay. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose encore à casser? Il ne va plus rien avoir dans la maison. Casser, comme ça je me réchauffe. Et on rentre. En fait, ah, c'est ça le truc. Je me réchauffe et on rentre. Il y a un livre là, on s'en tape. Rien de rapide, ça. Yes. Ok, maintenant il fait nuit. Ok, très bien. Parce qu'elle n'est pas encore très fatiguée, donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'hésite à faire du feu maintenant, mais bon, est-ce que c'est vraiment utile de faire du feu maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 10 kilos de viande à récupérer. 41 minutes avec ça. Ouais. Non, on va juste récupérer les choses et rentrer à la maison et dormir. On va juste faire ça. Ça, ça, tac, 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 tac. On a les boyaux, on a les pots. Ok, on est à 28 kilos. Ok, très bien. 4, 5, 6, 7, 8. Man, I'm not sure I can carry much more. Ok, 32. Est-ce qu'elle peut toujours sprinter? Oui. Bah, en fait, c'est qu'on a tué tous les prédateurs, donc ça va. Après, je pourrais en laisser dans la maison, mais j'aime pas disperser comme ça. Surtout que, bon, là, il y a juste de la viande, en fait. Putain, j'ai peur que l'élan me fasse une sorte de boue et genre me plante les cornes, enfin les bois dans l'abdomen. Ça risque de pas être super drôle. On sait jamais. Mais bon. Bon, c'est super étrange ce qui se passe avec l'élan. J'avoue, là, je suis un peu perdu. Bon, en tout cas, on a beaucoup de bois. Voilà, très bien. Très bien. Ça, c'est bien. Ah, je me demande s'il fait... Ah non, il fait pas assez jour. Ça, tac, 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 tac. Putain, mais en peu de temps, là, on a quand même vachement avancé en ressources. Hein. Oh la vache. Oh la vache. Par contre, je pense qu'il fait trop nuit. Hein. Je pense pas qu'elle va vouloir travailler. Ça m'étonnerait. Ah si. Ok, 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 ok. Ok. On va voir si elle veut encore travailler une demi-heure. M'étonnerait. Ouais, il fait commencer à faire nuit là. Huh. Pourtant il fait nuit, hein. Là ça doit être mort là. Ça y est, il n'y a pas assez de lumière. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On rejette les choses? Non, on va les garder, sûrement. Ok, on va... Ah oui, il faut manger, j'avais oublié, complètement oublié. Est-ce qu'on est... Ouais, on est toujours infecté. C'est un peu emmerdant.
Est-ce que je peux faire des choses? Ce que je voudrais bien en fait... Ah, ça, recycler. En fait, je voudrais bien que le 1% il s'en aille. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, on peut continuer de manger de la viande à risque. Mais je pense pas que ça va le faire. Je pense pas que ça va le faire. Hop. Alors, on a plein de torches. Putain, faut que j'en détruise un peu. Bah tiens, on va en détruire un peu. J'avais pas vu que j'en avais fait autant. 31, on va le virer. Quoique les autres, après, c'est du 40. Hein. C'est du 40 et quelques. Hein. Donc, non, ça passe. 50, 50, 100. Peut-être en. Virer ça là. Quand c'est à 50%, vous pouvez vous en servir pour faire du feu. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Non, on a 4 encore. Bon. Ça part pas. Hein. J'essaye de durer le plus longtemps possible, mais laisse tomber, ça part pas. La maladie, hein, je parle. Le risque d'être contaminé, là. D'être malade. Non, on va... Non, non, ça sert à... C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, on a beaucoup de nourriture, donc c'est pas vraiment grave. Et si on en, on en manque encore, on a encore le... les loups. Donc, pas vraiment le problème. Enfin, quoique, ça commence à vite partir, hein, au final. Hein. Attendez. 76. Enfin, vite partir. Ça descend. Ouais, ça en prend. Ça descend quand même assez vite. Donc il va falloir faire attention. Parce que je pensais qu'on avait des ressources. Enfin plus que ça, un peu plus. Genre 4 ou 5 de plus, mais en final... Allez, en tout cas c'était une très très belle journée. Combattu des loups. On a raté l'élan. Bon, on a raté l'élan, hein, ça arrive. Oh, tiens, il y a toujours ça, on va le garder. Manger ça, on va le manger en entier. On va dormir le plus possible. Voilà. Parfait. 11. Ok, on se lève en pleine forme. Très très bien. J'ai pas regardé quel jour. Si on était en plein jour ou pas. Ok, on est en plein jour, ça c'est bien. On va prendre de l'eau par contre parce que il nous en reste plus beaucoup. Qu'est-ce que je suis en train de regarder moi? L'eau, voilà. Ok, 2 litres, c'est bien. Ok, c'est parti. Alors on pourrait continuer à crafter, mais je suis assez motivé en fait pour trouver l'élan. Il fait froid ou pas? Ah oui, il fait froid. Ouais. Ah, c'est bête, on va pas pouvoir prendre la viande. Il fait trop froid. J'ai pas vraiment envie de faire un feu à l'extérieur. Surtout autant exposé. Bon, l'élan, alors là je sais pas du tout. Hein. Je sais vraiment pas du tout comment il marche. J'ai l'impression qu'il apparaît pendant un laps de temps, puis après il disparaît pendant quelques jours. Oula, les oiseaux d'Hitchcock. J'ai l'impression de l'entendre là. Trop de bruit. This cold is making my head feel thick. My head feels thick. En tout cas, on a tué bah, tous les loups, je crois. On a ton... Ouais.
plus ou moins. Je vais regarder s'il n'y en a pas au bord. Sur, sur le lac, sur la mer. Rien. On récupère ça. Là, y a rien. Bon, Torres, franchement, t'es cool, mais là, là, tu parles vraiment trop, là, par contre. Là, faut vraiment que tu te calmes. Alors, je sais qu'on a un ours quelque part en face. Est-ce que ça vaut le coup? Non, on va pas faire l'ours. L'ours me fait peur, par contre. L'élan me fait moins peur que l'ours. Pourtant, je crois que c'est le même gabarit, hein. Je crois que si un des deux te prend, il te massacre, hein. Je crois qu'il te plie en deux, hein. Et c'est tout, hein. Bon, bah on va crafter. On rentre. On rentre à la maison. Quoi? Oh merde!